Excellences, Monsieur l'Ambassadeur, Mesdames et Messieurs, bonjour. Je suis très honoré de cette coopération algéro-britannique. C'est vrai que c'est vital. Un partenariat d'excellence avec LAC Energy, puisque nous sommes le premier client aujourd'hui en Algérie, je ne sais pas, peut-être même à travers le monde. Nous avons équipé deux de nos complexes industriels. Un, c'est Brandt au niveau de Sétif, avec plusieurs moteurs et centrales électriques. Et un autre complexe à Oran, c'est notre complexe sidérurgique où nous avons aussi acheté une capacité de plus de 20 MW. Pourquoi nous avons choisi LAC Energy? Ce n'est pas parce qu'ils sont là devant moi. C'est parce que tout simplement, par rapport à la production du mégawatt installé, c'est des équipements les moins chers. Deuxièmement, nous avons signé le contrat pour le complexe sidérurgique de Rouen simplement l'année dernière. Et aujourd'hui, les 20 MW, plus de 22 MW, il me semble, sont déjà installés à Rouen. Donc vous voyez la rapidité avec laquelle nous avons pu résoudre certains de nos problèmes de temps et d'électrification. Pourquoi? Tout simplement, aujourd'hui, c'est vrai que, Dieu merci, notre pays est très bien électrifié par rapport à tous les pays africains. Mais souvent, pour pouvoir tirer une ligne électrique sur de très grandes distances, on nous demande des délais dépassant de très loin l'installation directe d'une centrale électrique. Donc voilà un peu aussi notre choix. Sur ce, je renouvelle encore une fois ma fierté de la coopération algéro-britannique. Merci, Excellence. Merci à messieurs les responsables de LAC Energy. Et merci, mesdames et messieurs.